Arrête avec tes mouvements de karaté. Oh non! Mon portable tout neuf! Je n'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que je fais maintenant? Waouh! C'est qui, lui? Un genre de génie du téléphone? Tu penses qu'il veut quoi? Waouh! C'est notre génie du téléphone! Oh non! Il confisque encore les téléphones! Il faut que je trouve une solution. Comment est-ce que je vais le faire entrer? Ce type n'est d'aucune aide. C'est tout un monde là-dedans. Ah ouais? J'ai trouvé! Vous allez voir. Chris? C'est à moi que tu parles? Je peux? Jamais de la vie! Oh, s'il te plaît! Ok, mais ça coûte un bisou! Burk! Mais bon, ok! Tu vas voir comme elles sont douces et humides! Tiens, embrasse ça! Oh, c'est doux! C'était super! Tu peux avoir l'aquarium! Et maintenant, on va voir ce qu'on va voir. Une bonne chose qu'il me reste ce sandwich. Assure-toi que ce soit bien étanche. Les pierres le recouvrent entièrement. Tu vois? Je suis sûre que ça va marcher. C'est parti! Bonjour! Hé, j'adore les poissons! Tu peux entrer, Annie? C'est l'heure d'aller à la pêche! Excuse-moi, mon mignon! Parfaitement sec! Le plastique fait des miracles! 25! 26! Et maintenant, on passe aux épaules! C'est quoi tout ça? Ah, je crois que l'ampoule vient de claquer! Il y a quelqu'un là-dedans? Bon, je crois que je peux arrêter de lire. Avec un peu de chance? Non, ça ne fonctionne vraiment plus. Je me demande l'âge de cette ampoule. Elle n'a pas l'air trop vieille! Attends une seconde! On dirait que Jennifer est coincée à l'intérieur. Trop stylé! Jen! Prends la pose pour une photo? J'ai une idée! Fais semblant d'être prise au piège! Comme ça? Ouais, c'est parfait! Ça fait quoi de vivre dans une ampoule? On dirait vraiment que je suis dedans! Incroyable! Salut! Comment ça va? Regarde ce que j'ai acheté! Mais non! Tu l'as acheté quand? Ce matin! Il est violet et tout! Waouh! Je suis trop jalouse! J'aimerais bien avoir un nouveau téléphone! Mais attends! Pas besoin de nouveau téléphone, j'ai une super jolie coque! Ou plutôt des coques! J'en ai plus d'une! Ah! Ok! Si ça te fait plaisir! Hé! Hey, je crois que j'en ai même encore! Je suis trop fan de cette nouvelle couleur! Hé! Hey, regarde toutes les couleurs de coques que j'ai! Elles sont cool! Mais mon téléphone violet l'est encore plus! Quoi? Bon, bah, tu l'auras voulu! De quoi tu parles au juste? Tu vas voir! De mes coques! Waouh! Il y en a vraiment beaucoup! Eh ben, tu vois, les coques sont jolies aussi! Waouh! Je suis très impressionnée! Bon, maintenant, j'ai l'air nulle avec mon nouveau portable! Oh, mais j'ai une idée de génie! Je prends cette paille et je la graffe pour la fermer à un bout!
C'est parti! Maintenant, continuons! Je vais utiliser cette petite seringue pour remplir la paille de liquide coloré. Parfait! Comme ça, avec un petit peu d'espace vide. J'agrafe aussi l'autre bout. Maintenant, prenons cette coque transparente. Je prends un tube de colle et j'en mets dessus. Voilà! Maintenant, collons les pailles dessus. J'en ai fait plein de différentes couleurs. Je les mets toutes sur la coque. C'est très joli! Regarde ma nouvelle coque! Elle a des bulles qui bougent! Waouh! J'en avais jamais vu avant! Ma coque multicolore et moi devons y aller! À plus! Oh non! Je suis jalouse à nouveau! Regarde, Sophia est en plein travail. Pas de distraction, plus de concentration. J'ai parlé trop vite! Où ai-je posé ce truc? Il ne doit pas être loin! Allez, c'est pas le moment de jouer à cache-cache! Il suffit de tirer sur le cordon. Mais combien de mètres mesure-t-il? Ça me fatigue les bras. C'est pas mon téléphone! Quel bazar! Je ne sens presque plus mon bras! Allez, je crois que je me rapproche! Te voilà! Et on dirait bien que je viens de manquer son appel. Je n'ai plus qu'à le rappeler. Attends! Peut-être que je peux faire quelque chose! Ouais, ça va le faire! Prends ton câble! Enroule-le autour d'un gros feutre rond. Et ensuite, passe un sèche-cheveux par-dessus pendant une minute. Et quand tu retireras le feutre, le cordon ne sera plus si long. Ce petit malin restera près de moi maintenant. Voilà! Maintenant, quand je travaillerai, je n'aurai plus à aller à la pêche pour répondre au téléphone. C'est Kevin! Salut, mec! Désolée pour tout à l'heure. Ce paysage est trop beau, Amy. Ne bouge pas! Viens voir la photo! Sophia, il y a ton doigt au milieu. J'ai pas fait exprès, je te jure! Quel gâchis! Attends une seconde. Retourne-y. Oui! Une autre séance! Toute la magie ne se fait pas forcément derrière l'objectif. Ce doigt est juste devant lui. Ouf, Amy! Sors d'ici! Hé! Mes bras! Waouh! Regardez-moi ce doigt! Je peux me défendre, tu sais! Hein? Aïe! Salut, toi! Tu es prêt pour la surprise? Je suis sûre qu'elle va adorer! Oh, j'arrive juste à temps! Salut, Mathieu! Oh, Émilie! Bon, ça y est, je crois qu'il est temps! Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a déjà la même peluche? Oh non! Mon cadeau est fichu! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui offrir? Des écouteurs? Mais bien sûr! Mais avant tout, je vais faire un petit tour à l'atelier. La sécurité d'abord! Et c'est parti! Aïe! Ouïe! Oh! Oh! Oh là, ça continue! Aïe! Oh! Cet escalier est sacrément raide! Bon, passons, je dois me mettre au travail. Je vais faire un peu de place. Qu'y a-t-il de mieux qu'un cadeau? Un cadeau personnalisé, évidemment. Cette fois, je suis sûre d'offrir à Émilie un cadeau original. Je vais recouvrir tout l'étui de bleu. Waouh, ça claque! Et maintenant, je vais dessiner Huggy Wuggy. Heureusement que j'ai du bleu en réserve. Je sais que c'est sa couleur préférée. Je passe aux petits détails. Ça commence à prendre forme. Un peu de blanc pour les yeux. Ce serait dommage de louper certains détails. Pas
fait. Plus que la touche finale. Et ce sera presque terminé. Il est trop chaud. Attention. Tadam, un dernier détail. Si je le positionne bien, il pourra prendre vie. N'est-ce pas génial? Il est temps de retenter ma chance. Émilie, c'est pour toi. Waouh! C'est magnifique! Merci beaucoup! Comment est-ce que tu as fait ça? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai failli oublier. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Tu aimes? Ah, cette fois, c'est parfait! Tu es mon meilleur ami! Joyeux anniversaire! Oh, merci! Elles sont pour toi! Vous êtes les meilleures! Je me demande ce que c'est. Tiens, j'espère que ça va te plaire! Waouh, vous me gâtez! J'ai tellement de chance d'avoir des amis comme vous! Vous plaisantez? Waouh! Quoi? C'est l'anniversaire de Stacy? Salut! Salut, Émilie! Merci encore! J'ai complètement oublié! Qu'est-ce que je vais faire? J'ai peut-être quelque chose dans mon sac que je peux donner à Stacy. Peut-être qu'elle aime les poulets en caoutchouc? En y réfléchissant bien, peut-être pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un jouet en forme de caca? Ça fait toujours sourire. Non, je ne peux pas lui donner ça. Un nouvel iPhone! Waouh! C'est l'enfer! Elle va être fâchée! Peut-être que je peux lui acheter un cadeau après le cours. J'espère que ça ne la dérange pas. Ces fleurs sentent super bon! Je sais! Je vais lui faire une carte. Après tout, c'est l'intention qui compte, non? C'est affreux! Il faut que je trouve quelque chose. Une minute. Je crois que j'ai trouvé. Je sais quoi offrir à Stacy pour son anniversaire. Il est temps de se mettre au travail. Je commence par dessiner des points sur la couverture de mon cahier avec un surligneur bleu. Je vais faire un motif au hasard. Je vais faire la même chose avec des couleurs différentes. Je vais continuer jusqu'à ce que je remplisse la page. C'est très bien! Je pense que ça devrait le faire. Maintenant, je vais couvrir le cahier avec du scotch transparent. Je veux qu'il soit beau et lisse. Puis, je vais couper l'excès de scotch. Le dernier bout! Maintenant, je vais tamponner de la peinture noire sur le scotch. Pour une application homogène, tu peux utiliser une éponge. Il faut que je passe bien partout. Maintenant, j'attends que la peinture sèche. Je vais utiliser une pique en bois pour graver un message sur la peinture. Ça va gratter la peinture noire et laisser apparaître les couleurs qui sont dessous. Le résultat est plutôt cool! J'ai terminé! Stacy! Joyeux anniversaire! Oh, Emily! Waouh! Merci beaucoup! Je l'adore! Viens par là, ma copine! Alors, tu as du gâteau? Je vais jeter un œil à mes notifications. Oh! Tout le monde a une jolie photo, sauf moi! Attends, j'ai une idée. Ouais! David fera très bien l'affaire. Oh mince! Il est avec Jennifer. Oh, elle lui touche la veste maintenant? Quoi? Pour qui elle se prend? Elle se croit spéciale juste parce qu'elle est avec David? Oh, belle photo! Belle photo! Attends un peu. Je peux faire en sorte que ça marche. Je dois juste m'assurer que personne d'autre ne soit là. Et voilà les affaires de David! Bingo! Il ne m'en voudra pas si j'emprunte ça. Ça va être génial! Je vais simplement glisser mes bras dans les jambes du pantalon. Je dois préparer mon téléphone. Le retardateur automatique est activé. Je mets mes mains dans les chaussures et... prends la photo! Ça a carrément marché! Regarde tous ces likes! Jolie photo, Annie! Mais je connais la vérité et maintenant tout le monde le sait aussi! Tu auras plus de chance la prochaine fois. De quoi elle parle? Oh non! C'est pas possible! Dégagez de mon chemin! Oh! Je dois enlever ça! Oh, je pense toujours que c'était une bonne idée.
Oh! Je ne vous avais pas vu. Vous voulez écouter? Je suis pas sûre que ça vous plaira. Voilà le refrain! Ça suffit! On arrête tout! Oh, tiens, un oiseau! Salut! J'ai failli me faire prendre. Mais je sais quoi faire. Voyons. Non, pas ça. Voilà! Exactement ce que je cherchais. Tu vois ce dévidoir? Retire son rouleau. Et mets ça à la place. Parfait! Pas si vite! Je vais te scanner. Rien n'échappe au détecteur. Oh là là! Encore rien! Ok. Ah ah! La main dans le sac! Mais... c'est du scotch! Mais comment est-ce possible? Allez, entre! Ça a marché comme sur des roulettes! Et en plus, c'est pratique! C'est l'heure du solo de guitare! Oh! Regarde-moi tout ça! Trop mignon, non? Joyeux anniversaire, Jennifer! J'ai quelque chose de spécial pour toi! Tada! Oh, j'adore les ours en peluche! Merci! N'importe quoi pour ma meilleure amie! Tu peux nous prendre en photo? Oh, elle va être trop mignonne! Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? Donne-moi la peluche pour voir. D'accord. Fais-moi confiance sur ce coup-là. Je prends la pose toute seule? Pas tout à fait. C'est bon maintenant? Et action! Je suis sûre que je vais être toute mignonne ici. Tu veux voir? C'est plutôt stylé, non? Maintenant, il fait ta taille, tu vois? C'est incroyable! Il est énorme! C'était clairement l'épisode le plus drôle! Oh! Je me demande où il va comme ça! Oh mon Dieu! Oui! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Regarde! Une soirée pop-it! On y va! Waouh! Ton pop-it est trop mignon! J'ai le mien aussi! Alors c'est parti! Oh! Il y a un videur et la nourriture et les boissons sont interdites. Mais nos bonbons, comment on va faire? Je voulais vraiment aller à cette soirée. Hé! Je pense qu'on peut y aller. Et aussi emporter nos bonbons. Regarde, on a juste à prendre ta coque pop-it. Je vais mettre une image d'un objectif ici. Et on peut la remplir de Skittles. Un Skittle dans chaque trou du pop-it. Il faut utiliser cette cachette au maximum. Et maintenant, le chocolat, je l'ai fait fondre pour qu'il coule plus facilement. J'en mets sur tous les Skittles. Super, ça marche trop bien. C'est bon, on peut y aller maintenant. On dirait un vrai téléphone. Super, t'es vraiment trop forte. Parfait, allons-y. Vous pouvez y aller. Vous n'avez pas vu les pancartes? Pas de nourriture ni de boisson à l'intérieur. Allez, fichez-moi le camp. J'ai mon pop-it. Tu peux y aller. Je n'avais jamais vu de coque de téléphone pop-it avant. C'est cool. Profite bien de la soirée. Il n'y a plus personne, je crois. C'est l'heure de mon pop-it géant. Wow! Il y a tellement de pop-it ici. Venez et aidez-nous pour ce gros pop-it! C'est la meilleure soirée de ma vie! On a gagné le concours de piles de pop-it! Allez, allez, allez! Tu vas battre le record! Hé, on échange? Oh, ok. Tu penses à la même chose que moi? C'est l'heure de manger! Voilà, tout est prêt pour nous! La coque pop-it s'enlève super bien. C'est comme une barre de chocolat maison. C'est délicieux! Prends-en! Hé, les amis!
amis, on a caché des bonbons. Venez en manger. Les balades sur la plage peuvent donner lieu à de superbes photos. Hé, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a dû le faire tomber. Trouver, c'est garder, non? Reste ici, ok? Parfait. Hé, ce truc fonctionne super bien. Même pas besoin de Photoshop. Beau boulot, les filles. Devine qui part en vacances. Moi? Je vais où? Tu ne vas nulle part. C'était trop méchant. Je vais me venger. C'est parti pour le voyage d'une vie. C'est vrai? Je suis à Londres? Incroyable! Et ensuite? La France? À moi, pain et fromage! Je dis oui, oui, oui! Wouhou! Après? Oh oui, l'Égypte! Il fait chaud ici! Waouh! Oui, je le veux! Oh non! C'est quoi ces pas de danse? Je pense que je peux faire pareil. Ou peut-être pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai bientôt plus de batterie. Phew! Non mais, regardez-moi cette vue. Je suis soulagée. Je peux tout expliquer. C'est juste pour Insta. Tiens bon, génie, je vais te sauver. Je branche mon portable. Oula, doucement! Voilà! C'est beaucoup mieux! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je me suis levée en retard! Bon bah! Bonjour! Pas si vite! Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Le voilà! Les téléphones sont interdits, tu te souviens? D'accord! Merci! Et maintenant, arrange-moi ces cheveux! Quelle toupet! À moins que... Mais bien sûr! Je reviens tout de suite! Tu veux cacher ton téléphone? Utilise de la pâte à modeler, colle-en une boule sur le côté de la brosse, mets-en tout autour. Le truc, c'est de couvrir tout le bord du téléphone. Maintenant, on ne le remarque plus. Et ça fait une poignée pratique. En plus d'être jolie, je suis un génie. C'est bien mieux, n'est-ce pas? Je peux? Oh, ce miroir est vraiment net. Je ne l'avais jamais remarqué. Tiens, tu peux la garder. Et tu peux entrer en classe. Super! Le cours est terminé. Il est temps de prendre vos téléphones. Que les textos et les réseaux commencent. Je dois prendre le mien. Mais comment faire pour le trouver? Comment tu as su que c'était le tien? Oh, ma mère! Allô? Oh, c'est pour toi. Allô? C'est pour toi, Killy. Allô? Salut, maman! Eh bien, les téléphones de tout le monde se ressemblent. Le mien est là-dedans? Bingo! Et maintenant, il ne reste plus que deux téléphones. Oh! Ces selfies sont horribles! Mais celui-ci est encore pire! Problème résolu, j'imagine. Ça ne doit pas se reproduire. Coupe une éponge en morceaux comme ça. Enlève l'étui de ton téléphone et peins-le avec ton vernis à ongles préféré. Les gouttes au hasard, comme celle-ci, sont les plus efficaces. Et un peu de brillant, bien sûr.
prends l'éponge et tapote le tout. Tu vois comment ça se mélange? Recommence le processus plusieurs fois. Comme ça, tu auras une texture sympa. Prends un cure-dent et utilise-le pour éclabousser le vernis blanc. C'est plutôt cool, hein? Maintenant, tapote encore une fois. Enfin, et surtout, mets une couche de finition transparente. Laisse couler sur la coque. Et une fois qu'il y en a assez, étale-le tout autour. Maintenant, attends que ça sèche. Les selfies sont bien plus amusants comme ça. Oh, hé! Vous plaisantez? On dirait que tu as lancé une mode, Olivia. Tout ça pour être original? Ce n'est pas évident de faire des origamis. Tout ce travail pour ça? Il est tout petit. Bon, tant pis. Je passe au suivant. Alors? Bon, c'est mon dernier essai. C'est toujours nul. Et je n'ai plus de papier. Oh! Tu en mets vraiment partout, là! Jennifer et ses créations artistiques. En fait, j'ai une idée de génie. Jennifer, tu veux faire un truc drôle? Avec une poubelle? Ça y est, tu as perdu la tête. On va s'amuser avec les ombres. Ça crée un beau fond. Allez, on prend des photos. Oh! On dirait que tu es sous l'eau. À ton tour. Ces photos vont récolter tellement de likes! Regarde comme elles rendent bien! Pas besoin d'un studio professionnel! Salut! Comment ça va? Regarde ce que j'ai acheté! Mais non! Tu l'as acheté quand? Ce matin! Il est violet et tout! Waouh! Je suis trop jalouse! J'aimerais bien avoir un nouveau téléphone! Mais attends! Pas besoin de nouveau téléphone, j'ai une super jolie coque! Ou plutôt des coques! J'en ai plus d'une! Ah! Ok, si ça te fait plaisir! Et je crois que j'en ai même encore! Je suis trop fan de cette nouvelle couleur! Hé! Regarde toutes les couleurs de coques que j'ai! Elles sont cool! Mais mon téléphone violet l'est encore plus! Quoi? Bon, bah, tu l'auras voulu! De quoi tu parles au juste? Tu vas voir! De mes coques! Waouh! Il y en a vraiment beaucoup! Eh ben, tu vois, les coques sont jolies aussi. Waouh, je suis très impressionnée. Bon, maintenant, j'ai l'air nulle avec mon nouveau portable. Oh, mais j'ai une idée de génie. Je prends cette paille et je la graffe pour la fermer à un bout. C'est parti. Maintenant, continuons. Je vais utiliser cette petite seringue pour remplir la paille de liquide coloré. Parfait, comme ça, avec un petit peu d'espace vide. J'agrafe aussi l'autre bout. Maintenant, prenons cette coque transparente. Je prends un tube de colle et j'en mets dessus. Voilà! Maintenant, collons les pailles dessus. J'en ai fait plein de différentes couleurs. Je les mets toutes sur la coque. C'est très joli! Regarde ma nouvelle coque! Elle a des bulles qui bougent! Waouh! J'en avais jamais vu avant! Ma coque multicolore et moi devons y aller! À plus! Oh non! Je suis jalouse à nouveau! Oh, ces accessoires pour téléphone sont superbes! J'adore celui-là! Vous croyez que je pourrais m'offrir une de ces poignées? Voyons voir ce que j'ai de côté. Avec 2 dollars, je ne vais pas aller bien loin. C'est trop dommage! J'ai jamais d'argent! Et en plus, j'ai cassé mon tiroir! Génial!
Eh, mais on dirait un de ces supports. Pose ta coque de téléphone face vers le bas et dépose une goutte de colle chaude au milieu. Ensuite, colle le bouton de tiroir juste dessus et laisse la colle sécher. Il faut immortaliser ce moment. C'est beaucoup facile de le tenir maintenant. Quel génie! Quelle dure journée! Content de retrouver mon lit. Il faut que j'aie une position confortable. Peut-être en me couchant de ce côté. Oh! Il y a trop de lumière! Tout ce que je veux, c'est dormir! Voilà, c'est beaucoup mieux. Pourquoi cet oreiller est-il si inconfortable? Mais c'est n'importe quoi! Tout est contre moi ou quoi? Je vais sortir une jambe. J'aurai moins chaud comme ça. Mais s'il y a des monstres sous mon lit? Il vaut mieux que je la remette sous la couverture. Je crois que je ne vais pas du tout passer une bonne nuit. Et bien sûr, j'ai froid maintenant! Et dans cette position? Ou comme ça? Ah! Je déteste mon lit! C'est la pire nuit de ma vie! Ah, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu cries? Hé! Un œuf! Ça me donne une super idée! D'abord, il me faut une coque de téléphone et un pistolet à colle. Je dessine un rond de colle au milieu. Ensuite, je le peins avec du vernis à ongles blanc. Super! Maintenant, j'attends que ça sèche. Pour la suite, il me faut un ballon jaune. Je vais juste en découper le bout. Puis, je mets une boule de gélatine à l'intérieur. Comme ça! Et je la mets sur le téléphone. C'est gluant! Voilà, j'ai un œuf à la coque de mon téléphone. Oh, ce geste est tellement apaisant. Waouh, maintenant je vais bien dormir. Eh ben, qu'est-ce qu'on ferait sans un œuf? Waouh, cette plante est aussi grande que moi. Oui, Titi. Ce sont les seuls angles que tu connais, Sophia? Oh! C'est toi? Tous mes selfies se ressemblent. Essaye de penser un peu différemment. Essaye une nouvelle perspective. Fais comme si tu allais descendre cette marche. Waouh! Cet effet est... J'ai besoin de ton aide! À toi de jouer. Tu peux compter sur moi, Annie. Pas si vite, mademoiselle. Je n'ai rien sur moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, on ne peut rien lui demander. Tu peux entrer. Opération voiture téléphone activé. Un peu de scotch double face. Téléphone collé. Et c'est parti. Attention aux jambes. Doucement. Attention au virage. Destination atteinte. J'adore les petits voyages. C'était un super film. Tu devrais le voir. Oh, Emily, viens t'asseoir. Salut tout le monde. T'as l'air en forme. Merci, Jake. C'est très gentil. Je peux le faire. C'est parti. Hein? Oh, mon crayon est cassé. C'est trop énervant. Ah, classique. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? J'espère que j'ai un taille-crayon. Allez, j'ai tout le reste dans ma trousse à crayons. Je l'ai oublié à la maison. Hé, Stacy, tu aurais un taille-crayon? Je suis pas sûre. Laisse-moi vérifier. Oups, je suis tellement maladroite. Non, j'en ai pas. Désolée. D'accord. Trop bizarre. C'est quoi son problème? C'est le moment de briller. Je peux donner mon taille-crayon à Emily. Ou je peux utiliser la bague que je lui ai achetée. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais enlever la pierre. Je mets un peu de colle sur l'anneau. Ça devrait suffire. Ensuite, je colle le taille-crayon dessus.
Je remets la bague dans la boîte. C'est génial! Emily, c'est pour toi! C'est vrai? Waouh! T'es adorable! J'arrive pas à croire que tu aies fait ça! Jake, c'est exactement ce que je voulais! Waouh! Tu le mérites! Je suis content que ça te plaise! J'ai hâte de la porter! C'est pile la bonne taille! Et c'est pratique! Tu es tellement attentionné, Jake! Et maintenant, mon crayon est taillé! Je ne risque plus de perdre mon taille-crayon! Et c'est grâce à toi, Jake! Merci, beau gosse! Ça aurait dû être moi! J'aurais aimé que Jake m'offre une bague! Les mecs mignons ne s'intéressent jamais à moi! Tu veux qu'on se voit plus tard? Je vais vomir! Regarde ce que je peux faire! Pas de pouce! Waouh, Kate! Tu es vraiment douée pour ça! C'est facile! En haut, en bas! En haut, en bas! Tu t'amuses avec pas grand-chose! Tu es prête à voir ce que je sais faire? Bam! Pas de doigt! Waouh! Impressionnant! Et mon doigt est de retour! Ce n'est vraiment pas cool du tout! Mais ça me donne une idée! Hé! Annie et Kate! Regardez ça! Une barre de chocolat sur l'écran! On la passe et maintenant elle est dans ma main! Quoi? C'est comme de la vraie magie! De la sorcellerie! Vous voulez savoir comment j'ai fait? Hein? Ok! D'abord, vous avez besoin d'un téléphone et d'une barre de chocolat, au cas où vous l'auriez pas remarqué. Ensuite, prenez une photo de la barre de chocolat avec votre téléphone. Vous devrez modifier la photo. Agrandissez-la à la taille de la vraie barre de chocolat. Comme ça, quand vous glissez, on dirait que la barre de chocolat apparaît dans votre main. C'est comme ça que je l'ai fait. Vous pouvez retenir vos applaudissements. Je vais plutôt prendre la barre chocolatée. Amusez-vous bien! Parce que j'en ai une autre! La magie me donne faim. Délicieux! Olivia! Je me suis entraînée dans tous les loisirs que j'aime. Et maintenant, je suis un expert dans tout. Tu ne vois pas que j'essaye de réviser? Il va peut-être disparaître si je ne le vois plus. C'est pas très sympa, Sœurette. Il me faut un endroit tranquille. Le génie! Je suis sûre qu'il peut m'aider. Vous avez besoin de moi? Vous pouvez le mettre en sourdine? Aucun problème. Je m'entends penser. Tant qu'il ne s'en rend pas compte, tant qu'il ne se rend compte de rien, ça ne lui fera pas de mal. Olivia? Olivia! Mon amoureux! Entre! C'est pour moi? Tu es magnifique! Elle a laissé son portable. Elle ne s'est même pas rendue compte. Je vais m'amuser un peu. Je veux qu'il se taise. Jamais de la vie. Mais elle est avec un autre garçon. Oh, tu es trop gentil avec moi. C'est parce que je t'aime beaucoup. Alors, tu es d'accord? Pas mal. Et c'est parti, il ne peut plus parler. Attends, il est toujours en train de me parler? Quoi? Bizarre. C'est incroyable! Pourquoi est-ce que je n'entends plus mon copain? C'est trop gênant. Ah! C'est de la torture! Pas mal, hein? Allez! Salut! Qu'est-ce qu'on fait là? Pardon, tu m'as fait peur. J'ai le vertige. Je ne peux pas regarder. Et maintenant, j'aimerais me retrouver dans les airs. Tu entends ça? Bizarre. Comment est-ce que je vais passer avec mon téléphone? Je sais! J'ai juste besoin d'un peu de scotch double face. Prête? On vise et on colle! Oh! Essayons à nouveau. Ne bouge surtout pas! C'était pas moi! Ah, les allergies! Mais qu'est-ce qu'il a ce type?
Allez, colle-toi! Là! Hein? Qu'est-ce que c'était? Salut! C'est à moi que tu parles? On dirait que j'ai une nouvelle copine! Vous êtes jolie aujourd'hui, Madame Smith! Oh, comme c'est mignon! Bonne chance aujourd'hui! Bonjour, Madame Smith! Bonjour, Annie! Voyons ce que tu caches! Jusqu'ici, tout va bien! Tiens! Ça n'a rien détecté! Je n'ai rien, je le jure! Si tu le dis... Comme une lettre à la poste! Merci de ton aide, mec! On a tout vu. Il n'y a pas de raison que vous échouiez. Pas d'échec, compris. Je m'ennuie tellement! J'arrive à peine à garder les yeux ouverts. Emily, c'est vraiment dégoûtant. C'est l'heure de l'examen. Je veux que vous répondiez à toutes les questions. Un examen? Génial! Voici les feuilles. C'est trop bien! J'ai hâte de commencer! Oh, désolée, j'adore les examens! Tiens! Waouh, merci! Ça risque d'être compliqué. Ah! Oh là là! J'ai eu peur! Désolée, je finirai mes ongles plus tard. Vous pouvez continuer. Super! J'arrive pas à écrire avec ce truc. Hé, Stacy, t'aurais pas un crayon? S'il te plaît, j'en ai vraiment besoin! Je n'ai que celui-là! Désolée! Oh, d'accord. Attends, j'ai une idée. Je peux prendre ton crayon 2 secondes? D'accord, mais il s'appelle Reviens. Je sais quoi faire. Je suis un génie. Je place le stylo sur une feuille de papier. Puis je la roule. Je m'assure que le papier soit bien serré. Avant d'arriver à la fin, je mets de la colle sur toute la longueur de la feuille. Et je termine de rouler. Je m'assure que ce soit bien collé avant de retirer le crayon de Stacy. Ensuite, j'insère une paille dans le rouleau. Je colle une extrémité du rouleau et j'insère mon crayon à l'autre extrémité. Voilà, un crayon fait maison. Ça devrait faire l'affaire. Merci, Stacy. Pas de quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? Ça marche! Je suis trop contente d'avoir pensé à ça. Je m'en sors bien. Oh, voilà Matthew. Salut. Et tu es en retard. Désolée, mais ça prend du temps d'avoir une coiffure aussi stylée. Il est tellement beau! Cette machine à vent est vraiment un bon achat. Waouh, regarde-le! Je suis beau, hein? Ouais, carrément! Je crois que mon cœur s'est arrêté de battre. Oh, mon crayon! Oups! J'espère que personne n'a rien vu. Oh, regardez ces tourtereaux! Ce rendez-vous semble bien se passer, hein? Je reviens tout de suite. Je vais me repoudrer le nez. Où est ce machin? Mes clés? Non. Ça devient n'importe quoi. Je n'ai qu'à tout vider d'un coup. Oh! Ce sac à main est vraiment grand, pas vrai? Mon poudrier! Hé, tu es revenu? C'est quoi tout ça? Il y a du scotch dans son sac à main. C'est une excellente question. Mais ça va enfin m'être utile. Je vais même l'utiliser tout de suite. Pose ton téléphone face contre la table et colle un morceau de scotch double face sur la coque. Ensuite, retire le film protecteur et colle ton poudrier dessus. Mes deux objets préférés sont maintenant collés ensemble. Comme ça, j'aurai toujours un regard de braise. C'est parfait! Waouh, tu es superbe, Sophia!